Chapitre 19. Le lendemain amena de nouveau à Longbourn. Monsieur Collins fit sa déclaration. Il n'avait plus de temps à perdre, son congé devant se terminer le samedi suivant. Et comme sa modestie ne lui inspirait aucune inquiétude qui pût l'arrêter au dernier moment, il décida de faire sa demande dans les formes qu'il jugeait indispensables dans cette circonstance. Trouvant après le breakfast Madame Bennet en compagnie d'Elisabeth et d'une autre de ses filles, il lui parla ainsi. « Puis-je, madame, solliciter votre bienveillant appui pour obtenir de votre fille, Elisabeth, un entretien particulier dans le cours de la matinée ?» Avant qu'Elisabeth rougissante eût eu le temps d'ouvrir la bouche, Madame Bennet avait déjà répondu. « Mais je crois bien, je suis sûre qu'Elisabeth ne demande pas mieux. Venez, Kitty, j'ai besoin de vous au premier. » Et, rassemblant son ouvrage, elle se hâtait vers la porte, lorsqu'Elisabeth s'écria. « Ma mère, ne sortez pas, je vous en prie. Monsieur Collins m'excusera, mais il n'a certainement rien à me dire que tout le monde ne puisse entendre. Je vais moi-même me retirer. »« Non, non, Lizzie, quelle est cette sottise? Je désire que vous restiez. » Et, comme Elisabeth, rouge de confusion et de colère, continuait à gagner la porte, Madame Bennet ajouta. « Lizzie, j'insiste pour que vous restiez et que vous écoutiez ce que M. Collins veut vous dire. » La jeune fille ne pouvait résister à une telle injonction. Comprenant, après un instant de réflexion, que mieux valait en finir au plus vite, elle se rassit et reprit son ouvrage pour se donner une contenance et dissimuler la contrariété ou l'envie de rire qui la prenait tour à tour. La porte était à peine refermée sur Madame Bennet et Kitty que M. Collins commençait. « Croyez, chère Miss Elisabeth, que votre modestie, loin de me déplaire, ne fait à mes yeux qu'ajouter à vos charmes. Vous m'auriez paru moins aimable sans ce petit mouvement de retraite, mais laissez-moi vous assurer que j'ai pour vous parler la permission de votre respectable mère. Vous vous doutez sûrement du but de cet entretien, bien que votre délicatesse vous fasse simuler le contraire. J'ai eu pour vous trop d'attention pour que vous ne m'ayez pas deviné. À peine avais-je franchi le seuil de cette maison que je voyais en vous la compagne de mon existence. Mais avant de me laisser emporter par le flot de mes sentiments, peut-être serait-il plus convenable de vous exposer les raisons qui me font songer au mariage et le motif qui m'a conduit en Hertfordshire pour y chercher une épouse. » L'idée du solennel, M. Collins, se laissant emporter par le flot de ses sentiments, parut si comique à Elisabeth qu'elle dut faire effort pour ne pas éclater de rire et perdit l'occasion d'interrompre cet éloquent discours. « Les raisons qui me déterminent à me marier, continua-t-il, sont les suivantes. Premièrement, je considère qu'il est du devoir de tout clergyman de donner le bon exemple à sa paroisse, en fondant un foyer. Deuxièmement, je suis convaincue, ce faisant, de travailler à mon bonheur. Troisièmement, j'aurais peut-être dû commencer par là, je réponds ainsi au désir exprimé par la très noble dame que j'ai l'honneur d'appeler ma protectrice. Par deux fois, et sans que je l'en eusse prié, elle a daigné me faire savoir son opinion à ce sujet. Le samedi soir qui a précédé mon départ, entre deux parties de quadrille, elle m'a encore dit « Monsieur Collins, il faut vous marier. Un clergyman comme vous doit se marier. Faites un bon choix. Pour ma satisfaction et pour la vôtre, prenez une fille de bonne famille, active, travailleuse, entendue, non point élevée dans des idées de grandeur, mais capable de tirer un bon parti d'un petit revenu. Trouvez une telle compagne le plus tôt possible. Amenez-la à Hunsford et j'irai lui rendre visite. » Permettez-moi, ma belle cousine, de vous dire en passant que la bienveillance de Lady Catherine de Bourg n'est pas un des moindres avantages que je puis vous offrir. Ses qualités dépassent tout ce que je puis vous en dire, et je crois que votre vivacité et votre esprit lui plairont, surtout s'ils sont tempérés par la discrétion et le respect que son rang ne peut manquer de vous inspirer. Tels sont les motifs qui me poussent au mariage. Il me reste à vous dire pourquoi je suis venue choisir une femme à Longbourn plutôt que dans mon voisinage, où, je vous assure, il ne manque pas d'aimables jeunes filles.
Mais devant hériter de ce domaine à la mort de votre honorable père, qui, je l'espère, ne se produira pas d'ici de longues années, je ne pourrais être complètement satisfait si je ne choisissais pas une de ces filles afin de diminuer autant que possible le tort que je leur causerai lorsqu'arrivera le douloureux événement. Dieu veuille que ce soit le plus tard possible. Ces raisons, ma chère cousine, ne me feront pas, je l'espère, baisser dans votre estime. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous exprimer en termes ardents toute la force de mes sentiments. La question de fortune me laisse indifférent. Je sais que votre père ne peut rien vous donner et que 1000 livres placées à 4% sont tout ce que vous pouvez espérer recueillir après la mort de votre mère. Je garderai donc le silence le plus absolu sur ce chapitre et vous pouvez être sûr que jamais vous n'entendrez sortir de ma bouche un reproche dénué de générosité lorsque nous serons mariés. « Vous allez trop vite, monsieur !» s'écria Élisabeth. « Vous oubliez que je ne vous ai pas encore répondu. Laissez-moi le faire sans plus tarder. Je suis très sensible à l'honneur que vous me faites par cette proposition et je vous en remercie. Mais il m'est impossible de ne point la décliner. » « Je sais depuis longtemps, » répliqua M. Collins avec un geste majestueux, « qu'il est d'usage parmi les jeunes filles de repousser celui qu'elles ont au fond l'intention d'épouser lorsqu'ils se déclarent pour la première fois et qu'il leur arrive de renouveler ce refus une seconde et même une troisième fois. C'est pourquoi votre réponse ne peut me décourager et j'ai confiance que j'aurai avant longtemps le bonheur de vous conduire à l'hôtel. En vérité, monsieur, cette confiance est plutôt extraordinaire après ce que je viens de vous déclarer. Je vous affirme que je ne suis point de ces jeunes filles, si tant est qu'il en existe, assez imprudentes pour jouer leur bonheur sur la chance de se voir demander une seconde fois. Mon refus est des plus sincères. Vous ne pourriez pas me rendre heureuse et je suis la dernière femme qui pourrait faire votre bonheur. Bien plus, si votre amie Lady Catherine me connaissait, je suis sûre qu'elle me trouverait fort mal qualifiée pour la situation que vous me proposez. Quand bien même, répondit gravement M. Collins. L'avis de Lady Catherine. Mais je ne puis imaginer sa grâce, vous regardant d'un œil défavorable, et soyez certaine que lorsque je la reverrai, je lui vanterai avec chaleur votre modestie, votre esprit d'ordre et vos autres aimables qualités. Monsieur Collins, toutes ces louanges seraient inutiles. Veuillez m'accorder la liberté de juger pour mon compte et me faire la grâce de croire ce que je vous dis. Je souhaite vous voir heureux et riche, et en vous refusant ma main, je contribue à la réalisation de ce vœu. Les scrupules respectables que vous exprimiez au sujet de ma famille sont sans objet maintenant que vous m'avez proposé d'être votre femme, et vous pourrez, quand le temps viendra, entrer en possession de Longbourn sans vous adresser aucun reproche. Cette question est donc réglée. » Elle s'était levée en prononçant ces derniers mots et allait quitter la pièce quand M. Collins l'arrêta par ces mots. « Lorsque j'aurai l'honneur de reprendre cette conversation avec vous, j'espère recevoir une réponse plus favorable, non point que je vous accuse de cruauté, et peut-être même, en faisant la part de la réserve habituelle à votre sexe, en avez-vous dit assez aujourd'hui pour m'encourager à poursuivre mon projet ?»« En vérité, Monsieur Collins, s'écria Élisabeth avec chaleur, vous me confondez. Si vous considérez tout ce que je viens de vous dire comme un encouragement, je me demande en quels termes il me faut exprimer mon refus pour vous convaincre que c'en est un. Laissez-moi croire, ma chère cousine, que ce refus n'est qu'une simple formalité. Il ne me semble pas que je sois indigne de vous, ni que l'établissement que je vous offre ne soit pas pour vous des plus enviables. Ma situation, mes relations avec la famille de Bourg, ma parenté avec votre famille sont autant de conditions favorables à ma cause. En outre, vous devriez considérer qu'en dépit de tous vos attraits, vous n'êtes nullement certaine de recevoir une autre demande en mariage. Votre dot est malheureusement si modeste qu'elle doit inévitablement contrebalancer l'effet de votre charme et de vos qualités. Force m'est donc de conclure que votre refus n'est pas sérieux, et je préfère l'attribuer au désir d'exciter ma tendresse en la tenant en suspens, suivant l'élégante coutume des femmes du monde. Soyez sûr, monsieur, que je n'ai aucune prétention à cette sorte d'élégance qui consiste à faire souffrir un honnête homme.
Je préférerais qu'on me fît le compliment de croire à ce que je dis. Je vous remercie mille fois de votre proposition, mais il m'est impossible de l'accepter. Mes sentiments me l'interdisent absolument. Puis-je vous parler avec plus de clarté? Ne me prenez pas pour une coquette qui prendrait plaisir à vous tourmenter, mais pour une personne raisonnable qui parle en toute sincérité. Vous êtes vraiment délicieuse, quoi que vous fassiez, s'écria-t-il avec une lourde galanterie. Et je suis persuadée que ma demande, une fois sanctionnée par la volonté expresse de vos excellents parents, ne manquera pas de vous paraître acceptable. Devant cette invincible persistance à vouloir s'abuser, Élisabeth abandonna la partie et se retira en silence. Chapitre 20. Monsieur Collins ne resta pas longtemps seul à méditer sur le succès de sa déclaration. Madame Bennett, qui rôdait dans le vestibule en attendant la fin de l'entretien, n'eut pas plutôt vu sa fille ouvrir la porte et gagner rapidement l'escalier qu'elle entra dans la salle à manger et félicita Monsieur Collins avec chaleur en lui exprimant la joie que lui causait la perspective de leur alliance prochaine. Monsieur Collins reçut ses félicitations et répondit avec autant de plaisir. Après quoi, il se mit à relater les détails d'une entrevue dont il avait tout lieu d'être satisfait, puisque le refus que sa cousine lui avait obstinément opposé n'avait d'autre cause que sa modestie et l'extrême délicatesse de ses sentiments. Ce récit, cependant, causa quelques troubles à Madame Bennett. Elle eût bien voulu partager cette belle assurance et croire que sa fille, en repoussant M. Collins, avait eu l'intention de l'encourager. Mais la chose lui paraissait peu vraisemblable, et elle ne put s'empêcher de le dire. Soyez sûr, Monsieur Collins, que Lizzie finira par entendre raison. C'est une fille sotte et entêtée, qui ne connaît point son intérêt. Mais je me charge de le lui faire comprendre. Permettez, madame, si votre fille est réellement sotte et entêtée, comme vous le dites, je me demande si elle est la femme qui me convient. Un homme dans ma situation désire naturellement trouver le bonheur dans l'état conjugal. Et si ma cousine persiste à rejeter ma demande, peut-être vaudrait-il mieux ne pas essayer de la lui faire agréer de force. Sujette à de tels défauts de caractère, elle ne me paraît pas faite pour assurer ma félicité. Monsieur, vous interprétez mal mes paroles, s'écria Madame Bennett, alarmée. Lizzie ne montre d'entêtement que dans des questions de ce genre. Autrement, c'est la meilleure nature qu'on puisse rencontrer. Je vais de ce pas trouver Monsieur Bennett et nous aurons tôt fait, à nous deux, de régler cette affaire avec elle. Et, sans lui donner le temps de répondre, elle se précipita dans la bibliothèque où se trouvait son mari. « Ah, Monsieur Bennett !» s'exclama-t-elle en entrant. « J'ai besoin de vous, tout de suite. Venez vite obliger Lizzie à accepter Monsieur Collins. Elle jure ses grands dieux qu'elle ne veut pas de lui. Si vous ne vous hâtez pas, il va changer d'avis et c'est lui qui ne voudra plus d'elle. » Monsieur Bennett avait levé les yeux de son livre à l'entrée de sa femme et la fixait avec une indifférence tranquille que l'émotion de celle-ci n'arrivait pas à troubler. « Je n'ai pas l'avantage de vous comprendre, » dit-il quand elle eut fini. « De quoi parlez-vous donc ?»« Mais de Lizzie et de Monsieur Collins !» Lizzie dit qu'elle ne veut pas de Monsieur Collins et Monsieur Collins commence à dire qu'il ne veut plus de Lizzie. « Et que puis-je faire à ce propos ?» Le cas me semble plutôt désespéré. Parlez à Lizzie, dites-lui que vous tenez à ce mariage. Faites-la appeler. Je vais lui dire ce que j'en pense. Madame Bennett sonna et donna l'ordre d'avertir Miss Elizabeth qu'on la demandait dans la bibliothèque. Arrivez ici, mademoiselle, lui cria son père dès qu'elle parut. Je vous ai envoyé chercher pour une affaire d'importance. Monsieur Collins, me dit-on, vous aurez demandé en mariage, est-ce exact ? Très exact, répondit Elisabeth. Vous avez repoussé cette demande ? Oui, mon père. Fort bien. Votre mère insiste pour que vous l'acceptiez. C'est bien cela, Madame Bennett ? Parfaitement. Si elle s'obstine dans son refus, je ne la reverrai de ma vie. Ma pauvre enfant, vous voilà dans une cruelle alternative. À partir de ce jour, vous allez devenir étrangère à l'un de nous deux. Votre mère refuse de vous revoir si vous n'épousez pas Monsieur Collins et je vous défends de reparaître devant moi si vous l'épousez.
Élisabeth ne put s'empêcher de sourire à cette conclusion inattendue. Mais Madame Bennett, qui avait supposé que son mari partageait son sentiment, fut excessivement désappointée. « Monsieur Bennett, à quoi pensez-vous de parler ainsi ? Vous m'aviez promis d'amener votre fille à la raison. » « Ma chère amie, répliqua son mari, veuillez m'accorder deux faveurs. La première, c'est de me permettre en cette affaire le libre usage de mon jugement. Et la seconde, de me laisser celui de ma bibliothèque. Je serais heureux de m'y retrouver seule le plus tôt possible. » Malgré la défection de son mari, Madame Bennett ne se résigna pas tout de suite à s'avouer battue. Elle entreprit Élisabeth à plusieurs reprises, la suppliant et la menaçant tour à tour. Elle essaya aussi de se faire une alliée de Jane, mais avec toute la douceur possible, celle-ci refusa d'intervenir. Quant à Élisabeth, tantôt avec énergie, tantôt avec gaieté, elle repoussa tous les assauts, changeant de tactique, mais non de détermination. Monsieur Collins, pendant ce temps, méditait solitairement sur la situation. La haute opinion qu'il avait de lui-même l'empêchait de concevoir les motifs qui avaient poussé sa cousine à le refuser. Et, bien que blessé dans son amour-propre, il n'éprouvait pas un véritable chagrin. Son attachement pour Élisabeth était un pur effet d'imagination, et la pensée qu'elle méritait peut-être les reproches de sa mère éteignait en lui tout sentiment de regret. Pendant que toute la famille était ainsi dans le désarroi, Charlotte Lucas vint pour passer la journée avec ses amis. Elle fut accueillie dans le hall par Lydia, qui se précipita vers elle en chuchotant. « Je suis bien contente que vous soyez venue, car il se passe ici des choses bien drôles. Devinez ce qui est arrivé ce matin. Monsieur Collins a offert sa main à Lizzie, et elle l'a refusée. » Charlotte n'avait pas eu le temps de répondre qu'elles étaient rejointes par Kitty, pressée de lui annoncer la même nouvelle. Enfin, dans la salle à manger, Madame Bennett, qu'elles y trouvèrent seule, reprit le même sujet et réclama l'aide de Miss Lucas en la priant d'user de son influence pour décider son amie à se plier aux vœux de tous les siens. « Je vous en prie, chère Miss Lucas, dit-elle d'une voix plaintive, faites cela pour moi. Personne n'est de mon côté, personne ne me soutient, personne n'a pitié de mes pauvres nerfs. » L'entrée de Jane et d'Elisabeth dispensa Charlotte de répondre. « Et justement, la voici !» poursuivit Madame Bennett, « aussi tranquille, aussi indifférente que s'il s'agissait du chat de Perse. Tout lui est égal, pourvu qu'elle puisse faire ses volontés. Mais prenez garde, Miss Lizzie, si vous vous entêtez à repousser toutes les demandes qui vous sont adressées, vous finirez par rester vieille fille, et je ne sais pas qui vous fera vivre lorsque votre père ne sera plus là. Ce n'est pas moi qui le pourrai. Je vous en avertis. Je vous ai dit tout à l'heure, dans la bibliothèque, que je ne vous parlerai plus. Vous verrez si je ne tiens point parole. Je n'ai aucun plaisir à causer avec une fille si peu soumise. Non que j'en ai beaucoup à causer avec personne. Les gens qui souffrent de malaises nerveux comme moi n'ont jamais grand goût pour la conversation. Personne ne sait ce que j'endure. Mais c'est toujours la même chose. On ne plaint jamais ceux qui ne se plaignent pas eux-mêmes. » Ces filles écoutaient en silence cette litanie, sachant que tout effort pour raisonner leur mère ou pour la calmer ne ferait que l'irriter davantage. Enfin, les lamentations de Madame Bennett furent interrompues par l'arrivée de Monsieur Collins, qui entrait avec un air plus solennel encore que d'habitude. Sur un signe, les jeunes filles quittèrent la pièce et Madame Bennett commença d'une voix douloureuse. « Mon cher Monsieur Collins !»« Ma chère Madame, interrompit celui-ci, ne parlons plus de cette affaire. Je suis bien loin, continua-t-il d'une voix où perçait le mécontentement, de garder rancune à votre fille. La résignation à ce qu'on ne peut empêcher est un devoir pour tous, et plus spécialement pour un homme qui a fait choix de l'état ecclésiastique. Ce devoir, je m'y soumets d'autant plus aisément qu'un doute m'est venu sur le bonheur qui m'attendait, si ma belle cousine m'avait fait l'honneur de m'accorder sa main. Et j'ai souvent remarqué que la résignation n'est jamais si parfaite, que lorsque la faveur refusée commence à perdre à nos yeux quelque chose de sa valeur. J'espère que vous ne considérerez pas comme un manque de respect envers vous que je retire mes prétentions aux bonnes grâces de votre fille, sans vous avoir sollicité, vous et Monsieur Bennett, d'user de votre autorité en ma faveur. Peut-être ai-je eu tort d'accepter un refus définitif de la bouche de votre fille plutôt que de la vôtre,
Mais nous sommes tous sujets à nous tromper. J'avais les meilleures intentions. Mon unique objet était de m'assurer une compagne aimable, tout en servant les intérêts de votre famille. Cependant, si vous voyez dans ma conduite quelque chose de répréhensible, je suis tout prêt à m'en excuser. Chapitre 21. La discussion provoquée par la demande de M. Collins était maintenant close. Elisabeth en gardait seulement un souvenir pénible et devait encore supporter de temps à autre les aigres allusions de sa mère. Quant aux soupirants malheureux, ses sentiments ne s'exprimaient point par de l'embarras ou de la tristesse, mais par une attitude raide et un silence plein de ressentiment. C'est à peine s'il s'adressait à Elisabeth, et les attentions dont il la comblait auparavant se reportèrent sur Miss Lucas, dont la complaisance à écouter ses discours fut un soulagement pour tout le monde, et en particulier pour Elisabeth. Le lendemain, la santé et l'humeur de Madame Bennet ne présentaient aucune amélioration, et M. Collins, de son côté, continuait à personnifier l'orgueil blessé. Elisabeth s'était flattée de l'espoir que son mécontentement le déciderait à abréger son séjour, mais ses plans n'en paraissaient nullement affectés. Il s'était toujours proposé de rester jusqu'au samedi et n'entendait pas s'en aller un jour plus tôt. Après le déjeuner, les jeunes filles se rendirent à Meryton pour savoir si M. Wickham était de retour. Comme elles entraient dans la ville, elles le rencontrèrent lui-même et il les accompagna jusque chez leur tante, où son regret d'avoir manqué le bal de Netherfield et la déception que tout le monde en avait éprouvée furent l'objet de longs commentaires. À Elisabeth, pourtant, il ne fit aucune difficulté pour avouer que son absence avait été volontaire. « À mesure que la date du bal se rapprochait, dit-il, j'avais l'impression de plus en plus nette que je ferais mieux d'éviter une rencontre avec M. Darcy. Me trouver avec lui dans la même salle, dans la même société, pendant plusieurs heures, était peut-être plus que je ne pouvais supporter. Il aurait pu en résulter des incidents aussi désagréables pour les autres que pour moi-même. » Elisabeth approuva pleinement son abstention. Ils eurent tout le loisir de s'étendre sur ce sujet, car Wickham et un de ses camarades reconduisirent les jeunes filles jusqu'à Longbourn, et pendant le trajet, il s'entretint surtout avec Elisabeth. Touchée d'un empressement aussi flatteur, elle profita de l'occasion pour le présenter à ses parents. Peu après leur retour, un pli apporté de Netherfield fut remis à Jane, qui l'ouvrit aussitôt. L'enveloppe contenait une feuille d'un charmant papier satiné, couverte d'une écriture féminine élégante et déliée. Elisabeth vit que sa sœur changeait de couleur en lisant et qu'elle s'arrêtait spécialement à certains passages de la lettre. Jane, d'ailleurs, reprit vite son sang-froid et se joignit à la conversation générale avec son entrain habituel. Mais, dès que Wickham et son compagnon furent partis, elle fit signe à Elisabeth de la suivre dans leur chambre. À peine y était-elle qu'elle dit en lui tendant la lettre. « C'est de Caroline Bingley, et la nouvelle qu'elle m'apporte n'est pas sans me surprendre. À l'heure qu'il est, ils ont tous quitté Netherfield et sont en route pour Londres, sans idée de retour. Écoutez plutôt. » Elle lut la première phrase qui annonçait la résolution de ces dames de rejoindre leurs frères et de dîner ce même soir à Grosvenor Street, où les Hurst avaient leur maison. La lettre continuait ainsi. Nous ne regretterons pas grand-chose du Hertfordshire, à part votre société, cher ami. Espérons cependant que l'avenir nous réserve l'occasion de renouer nos si agréables relations, et qu'en attendant, nous adoucirons l'amertume de l'éloignement par une correspondance fréquente et pleine d'abandon. Cette grande tendresse laissa Elisabeth très froide. Bien que la soudaineté de ce départ la surprît, elle n'y voyait rien qui valût la peine de s'en affliger. Le fait que ces dames n'étaient plus à Netherfield n'empêcherait vraisemblablement point M. Bingley d'y revenir, et sa présence, Elisabeth en était persuadée, aurait vite consolé Jane de l'absence de ses sœurs. « C'est dommage, dit-elle après un court silence, que vous n'ayez pu les revoir avant leur départ. Cependant, il nous est peut-être permis d'espérer que l'occasion de vous retrouver se présentera plus tôt que Miss Bingley ne le prévoit. Qui sait si ces rapports d'amitié qu'elle a trouvés si agréables ne se renoueront pas plus intimes encore. Monsieur Bingley ne se laissera pas retenir longtemps à Londres.
Caroline déclare nettement qu'aucun d'eux ne reviendra à Netherfield de tout l'hiver. Voici ce qu'elle dit. « Quand mon frère nous a quittés hier, il pensait pouvoir conclure en 3 ou 4 jours l'affaire qu'il appelait à Londres. Mais c'est certainement impossible. Et comme nous sommes convaincus, d'autre part, que Charles, une fois à Londres, ne sera nullement pressé d'en revenir, nous avons décidé de le rejoindre afin de lui épargner le désagrément de la vie à l'hôtel. Beaucoup de nos amis ont déjà regagné la ville pour l'hiver. Comme je serais heureuse d'apprendre que vous-même, cher ami, vous proposez de faire un tour dans la capitale. Mais hélas, je n'ose y compter. Je souhaite sincèrement que les fêtes de Noël soient chez vous des plus joyeuses et que vos nombreux succès vous consolent du départ des 3 admirateurs que nous allons vous enlever. » Ceci montre bien, conclut Jane, que M. Bingley ne reviendra pas de cet hiver. Ceci montre seulement que Miss Bingley ne veut pas qu'il revienne. Qu'est-ce qui vous le fait croire? M. Bingley est maître de ses actes, c'est de lui que vient sans doute cette décision. Mais attendez le reste. À vous, je ne veux rien cacher, et je vais vous lire le passage qui me peine le plus. Monsieur Darcy est impatient de retrouver sa sœur. Et à vous dire vrai, nous ne le sommes pas moins que lui. Il est difficile de trouver l'égal de Georgiana Darcy sous le rapport de la beauté, de l'élégance et de l'éducation. Et la sympathie que nous avons pour elle, Louisa et moi, est accrue par l'espérance de la voir un jour devenir notre sœur. Je ne sais si je vous ai jamais fait part de nos sentiments à cet égard, mais je ne veux pas vous quitter sans vous en parler. Mon frère admire beaucoup Georgiana. Il aura maintenant de fréquentes occasions de la voir dans l'intimité. Les deux familles s'accordent pour désirer cette union. Et je ne crois pas être aveuglée par l'affection fraternelle, en disant que Charles a tout ce qu'il faut pour se faire aimer. Avec tant de circonstances favorables, ai-je tort, ma chère Jane, de souhaiter la réalisation d'un événement qui ferait tant d'heureux? Que pensez-vous de cette phrase, ma chère Lizzie? Dit Jane en achevant sa lecture. Ne dit-elle pas clairement que Caroline n'a aucun désir de me voir devenir sa sœur, qu'elle est tout à fait convaincue de l'indifférence de son frère à mon égard, et que, si elle soupçonne la nature des sentiments qu'il m'inspire, elle veut très amicalement me mettre sur mes gardes? Peut-on voir autre chose dans ce que je viens de vous lire? Oui, certes, car mon impression est tout à fait différente, et la voici en 2 mots. Miss Bingley s'est aperçue que son frère vous aime, alors qu'elle veut lui faire épouser Miss Darcy. Elle va le rejoindre afin de le retenir à Londres et elle essaye de vous persuader qu'il ne pense pas à vous. Jane secoua la tête. Jane, je vous dis la vérité. Tous ceux qui vous ont vu avec M. Bingley ne peuvent douter de ses sentiments pour vous. Miss Bingley pas plus que les autres, car elle n'est point sotte. Si elle pouvait croire que M. Darcy éprouve seulement la moitié de cette affection pour elle-même, elle aurait déjà commandé sa robe de noces. Mais le fait est que nous ne sommes ni assez riches, ni assez nobles pour eux. Et Miss Bingley est d'autant plus désireuse de voir son frère épouser Miss Darcy qu'elle pense qu'une première alliance entre les deux familles en facilitera une seconde. Ce n'est pas mal combiné et pourrait après tout réussir si Miss de Bourg n'était pas dans la coulisse. Mais voyons, ma chère Jane, si Miss Bingley vous raconte que son frère est plein d'admiration pour Miss Darcy, ce n'est pas une raison suffisante pour croire qu'il soit moins sensible à vos charmes que quand il vous a quitté mardi dernier, ni qu'elle puisse lui persuader à son gré que ce n'est pas de vous, mais de son ami qu'il était pris. Tout ce que vous me dites là pourrait me tranquilliser si nous nous faisions la même idée de Miss Bingley, répliqua Jane, mais je suis certaine que vous la jugez injustement. Caroline est incapable de tromper quelqu'un de propos délibérés. Tout ce que je puis espérer de mieux dans le cas présent, c'est qu'elle se trompe elle-même. C'est parfait. Du moment que vous ne voulez pas de mon explication, vous ne pouviez en trouver une meilleure. Croyez donc que Miss Bingley se trompe et que cette supposition charitable vous redonne la tranquillité. Mais, ma chère Elisabeth, même en mettant tout au mieux, pourrais-je être vraiment heureuse en épousant un homme que ses sœurs et ses amis désirent tant marier à une autre? Cela, c'est votre affaire. Et si, à la réflexion, vous trouvez que la joie de désobliger les deux sœurs est plus grande que la joie d'épouser le frère,
je vous conseille vivement de ne plus penser à lui. » Pouvez-vous parler ainsi ? Dit Jane avec un faible sourire. « Vous savez bien que malgré la peine que me causerait leur désapprobation, je n'hésiterai pas. Mais il est probable que je n'aurai pas à choisir si M. Bingley ne revient pas cet hiver. Tant de choses peuvent se produire en 6 mois. » Les deux sœurs convinrent d'annoncer ce départ à leur mère, sans rien ajouter qui pût l'inquiéter sur les intentions de M. Bingley. Cette communication incomplète ne laissa pas toutefois de contrarier vivement Madame Bennet, qui déplora ce départ comme une calamité. Ne survenait-il pas juste au moment où les deux familles commençaient à se lier intimement ? Après s'être répandu quelque temps en doléances, l'idée que M. Bingley reviendrait sans doute bientôt et dînerait à Longbourn lui apporta un peu de réconfort. En l'invitant, elle avait parlé d'un repas de famille, mais elle décida que le menu n'en comporterait pas moins 2 services complets. Chapitre 22. Les Bennet dînaient ce jour-là chez les Lucas, et de nouveau, Miss Lucas eut la patience de servir d'auditrice à M. Collins pendant la plus grande partie de la soirée. Elisabeth lui en rendit grâce. « Vous le mettez ainsi de bonne humeur, » dit-elle. « Je ne sais comment vous en remercier. » Charlotte répondit que le sacrifice de son temps était largement compensé par la satisfaction d'obliger son amie. C'était fort aimable, mais la bonté de Charlotte visait beaucoup plus loin que ne le soupçonnait Elisabeth, car son but était de la délivrer d'une admiration importune, en prenant tout simplement sa place dans le cœur de M. Collins. Quand on se sépara, à la fin de la soirée, l'affaire était en si bon train que Charlotte serait crue assurée du succès, si M. Collins n'avait pas été à la veille de quitter le Hertfordshire. Mais elle n'avait pas bien mesuré l'ardeur des sentiments de M. Collins et l'indépendance de son caractère, car, le lendemain matin, il s'échappait de Longbourn en dissimulant son dessein avec une habileté incomparable et accourait à Lucas Lodge pour se jeter à ses pieds. Il désirait surtout éviter d'éveiller l'attention de ses cousines, persuadé qu'elles ne manqueraient pas de soupçonner ses intentions, car il ne voulait pas qu'on apprît sa tentative avant qu'il pût en annoncer l'heureux résultat. Bien que se sentant assez tranquille, car Charlotte avait été passablement encourageante, il se tenait quand même sur ses gardes depuis son aventure du mercredi précédent. L'accueil qu'il reçut cependant fut des plus flatteurs. D'une fenêtre du premier étage, Miss Lucas l'aperçut, qui se dirigeait vers la maison, et elle se hâta de sortir pour le rencontrer accidentellement dans le jardin. Mais jamais elle n'aurait pu imaginer que tant d'amour et d'éloquence l'attendaient au bout de l'allée. En aussi peu de temps que le permirent les longs discours de M. Collins, tout était réglé entre les deux jeunes gens, à leur mutuelle satisfaction. Et comme ils entraient dans la maison, M. Collins suppliait déjà Charlotte de fixer le jour, qui mettrait le comble à sa félicité. Si une telle demande ne pouvait être exaucée sur le champ, l'objet de sa flamme ne manifestait du moins aucune inclination à différer son bonheur. L'inintelligence dont la nature avait gratifié M. Collins n'était pas pour faire souhaiter des fiançailles prolongées avec un tel soupirant. Et Miss Lucas, qui l'avait accepté dans le seul désir de s'établir honorablement, se souciait assez peu que la date du mariage fût plus ou moins proche. Le consentement de Sir William et de Lady Lucas, demandé aussitôt, fut accordé avec un empressement joyeux. La situation de M. Collins faisait de lui un parti avantageux pour leur fille, dont la dot était modeste, tandis que les espérances de fortune du jeune homme étaient fort belles. Avec un intérêt qu'elle n'avait encore jamais éprouvé, Lady Lucas se mit tout de suite à calculer combien d'années M. Bennet pouvait bien avoir encore à vivre, et Sir William déclara que lorsque son gendre serait en possession du domaine de Longbourn, il ferait bien de se faire présenter à la cour avec sa femme. Bref, toute la famille était ravie. Les plus jeunes filles voyaient dans ce mariage l'occasion de faire un peu plus tôt leur entrée dans le monde, et les garçons se sentaient délivrés de la crainte de voir Charlotte mourir vieille fille. Charlotte elle-même était assez calme. Parvenue à ses fins, elle examinait maintenant le fruit de sa victoire, et ses réflexions étaient, somme toute, satisfaisantes. M. Collins n'avait évidemment
ni intelligence, ni charme. Sa conversation était ennuyeuse, et dans l'ardeur de ses sentiments, il entrait sans doute moins d'amour que d'imagination. Mais tel qu'il était, c'était un mari. Or, sans se faire une très haute idée des hommes, Charlotte Lucas avait toujours eu la vocation et le désir de se marier. Elle voyait dans le mariage la seule situation convenable pour une femme d'éducation distinguée et de fortune modeste. Car s'il ne donnait pas nécessairement le bonheur, il mettait du moins à l'abri des difficultés matérielles. Arrivée à l'âge de 27 ans et n'ayant jamais été jolie, elle appréciait à sa valeur la chance qui s'offrait à elle. Ce qui la gênait le plus, c'était la surprise qu'elle allait causer à Elizabeth Bennet, dont l'amitié lui était particulièrement chère. Elizabeth s'étonnerait sûrement, la blâmerait peut-être, et si sa résolution ne devait pas en être ébranlée, elle pourrait du moins se sentir blessée par la désapprobation de sa meilleure amie. Elle résolut de lui faire part elle-même de l'événement, et quand M. Collins, à l'heure du dîner, se mit en devoir de retourner à Longbourn, elle le pria de ne faire aucune allusion à leurs fiançailles devant la famille Bennet. La promesse d'être discret fut naturellement donnée avec beaucoup de soumission, mais elle ne fut pas tenue sans difficulté. La curiosité éveillée par la longue absence de M. Collins, se manifestant à son retour par des questions tellement directes qu'il lui fallut beaucoup d'ingéniosité pour les éluder toutes, ainsi que beaucoup d'abnégation pour dissimuler un triomphe qu'il brûlait de publier. Comme il devait partir le lendemain matin de très bonne heure, la cérémonie des adieux eut lieu le soir, au moment où les dames allaient se retirer. Madame Bennet, toute politesse et cordialité, dit combien il serait très heureux de le revoir, lorsque les circonstances le permettraient. « Chère madame, répondit-il, cette invitation m'est d'autant plus agréable que je la souhaitais vivement, et vous pouvez être sûre que j'en profiterai aussitôt qu'il me sera possible. » Un étonnement général accueillit ces paroles, et M. Bennet, à qui la perspective d'un retour aussi rapide ne souriait nullement, se hâta de dire « Mais êtes-vous bien sûr, mon cher monsieur, d'obtenir l'approbation de Lady Catherine ? Mieux vaudrait négliger un peu votre famille que courir le risque de mécontenter votre protectrice. »« Cher monsieur, répliqua M. Collins, laissez-moi vous remercier de ce conseil amical. Soyez certain que je ne prendrai pas une décision aussi importante sans l'assentiment de sa grâce. Certes, vous ne pouvez lui marquer trop de déférence. Risquez tout plutôt que son mécontentement. Et si jamais votre visite ici devait le provoquer, demeurez en paix chez vous et soyez persuadé que nous n'en serons nullement froissés. Mon cher monsieur, tant d'attention excite ma gratitude et vous pouvez compter recevoir bientôt une lettre de remerciement pour toutes les marques de sympathie dont vous m'avez comblé pendant mon séjour ici. Quant à mes aimables cousines, bien que mon absence doive être sans doute de courte durée, je prends maintenant la liberté de leur souhaiter santé et bonheur, sans faire d'exception pour ma cousine Elizabeth. » Après quelques paroles aimables, Madame Bennet et ses filles se retirèrent, surprises de voir qu'ils méditaient un aussi prompt retour à Longbourn. Madame Bennet aurait aimé en déduire qu'il songeait à l'une de ses plus jeunes filles, et Marie se serait laissée persuader de l'accepter. Plus que ses sœurs, elle appréciait ses qualités et goûtait ses réflexions judicieuses. Encouragée par un exemple comme le sien à développer sa culture, elle estimait qu'il pourrait faire un très agréable compagnon. Le lendemain matin, vit s'évanouir cet espoir. Miss Lucas, arrivée peu après le breakfast, prit Elizabeth à part et lui raconta ce qui s'était passé la veille. Que M. Collins se crût épris de son ami, l'idée en était déjà venue à Elizabeth au cours des deux journées précédentes, mais que Charlotte eût pu l'encourager, la chose lui paraissait inconcevable. Elle fut tellement abasourdie qu'oubliant toute politesse, elle s'écria « Fiancée à M. Collins ? Ma chère Charlotte, c'est impossible !» Le calme avec lequel Charlotte avait pu parler jusque-là fit place à une confusion momentanée devant un blâme aussi peu déguisé. Mais elle reprit bientôt son sang-froid et répliqua paisiblement. « Pourquoi cette surprise, ma chère Elisa ? Trouvez-vous si incroyable que M. Collins puisse obtenir la faveur d'une femme parce qu'il n'a pas eu la chance de gagner la vôtre ?» Mais Elisabeth s'était déjà reprise, et avec un peu d'effort,
put assurer son amie que la perspective de leur prochaine parenté lui était très agréable et qu'elle lui souhaitait toutes les prospérités imaginables. « Je devine votre sentiment, » répondit Charlotte. « Monsieur Collins, ayant manifesté si récemment le désir de vous épouser, il est naturel que vous éprouviez un étonnement si vif. Cependant, quand vous aurez eu le temps d'y réfléchir, je crois que vous m'approuverez. Vous savez que je ne suis pas romanesque, je ne l'ai jamais été. Un foyer confortable est tout ce que je désire. Or, en considérant l'honorabilité de Monsieur Collins, ses relations, sa situation sociale, je suis convaincue d'avoir en l'épousant des chances de bonheur que tout le monde ne trouve pas dans le mariage. » « Sans aucun doute, » répondit Elisabeth. Et après une pause un peu gênée, toutes deux rejoignirent le reste de la famille. Charlotte ne resta pas longtemps, et après son départ, Elisabeth se mit à réfléchir sur ce qu'elle venait d'apprendre. Que M. Collins pût faire deux demandes en mariage en 3 jours était à ses yeux moins étrange que de le voir agréé par son amie. Elisabeth avait toujours senti que les idées de Charlotte sur le mariage différaient des siennes, mais elle n'imaginait point que, le moment venu, elle serait capable de sacrifier les sentiments les plus respectables à une situation mondaine et à des avantages matériels. Charlotte, mariée à M. Collins, quelle image humiliante! Au regret de voir son amie se diminuer ainsi dans son estime, s'ajoutait la conviction pénible qu'il lui serait impossible de trouver le bonheur dans le lot qu'elle s'était choisi. Bienvenue dans le 4e vlog lecture sur Orgueil et préjugés de Jane Austen, qui est le 2e roman de Jane Austen que je lis pour la chaîne. Ah, Monsieur Collins. On l'a vu dans toute sa splendeur ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que si vous vous souvenez, au début, Monsieur Collins se disait « Ouais, ce serait bien de marier une des cousines parce que, bon, bah, comme je vais hériter... les pauvres, en gros, comme ça, je m'en occuperai. Hein. Et une des filles pourra continuer à vivre à Longbourn. Ça part d'un bon sentiment. En plus, validé par Madame Catherine de Bourg, Lady Catherine de Bourg, pardon. Mais bon, comme Jane, elle était quand même plus ou moins attirée par Monsieur Bingley et que c'était réciproque et que Madame Bennet disait « Non, ma Jane, elle va sans doute se marier d'ici quelques semaines. Allez voir Elisabeth. » Donc, il va voir Elisabeth. Visiblement, Monsieur Collins n'a pas compris que quand une femme lui dit non, parce que je pense que déjà, elle ne s'est pas sentie du tout flattée par sa demande en mariage. Sa demande en mariage, c'est quand même l'une des plus pourries que j'ai pu voir de toute ma vie. Non mais elle est extraordinaire. Mais vous allez voir, il y en aura peut-être d'autres. Mais, et du coup, bon. Charlotte, d'un côté, je la trouve, elle est pragmatique, cette femme. Et en fait, elle a juste calculé le fait que, je crois que la famille Lucas, ils sont assez nombreux. Il me semble qu'ils ont 6 ou 7 enfants. Et ils sont plus pauvres déjà que les Bennet, qui ne sont pas déjà bien riches. Mais, Charlotte Lucas, d'un côté, je la comprends. Parce que, comme elle est la seule à avoir fait son entrée dans le monde, parce que ses sœurs plus jeunes ne l'ont pas fait, et normalement, c'est la sœur aînée fait son entrée dans le monde, elle trouve un mari, la seconde fait son entrée dans le monde, etc. Alors que les Bennet, ils ont fait un groupir et qu'ils ont fait entrer dans le monde toutes leurs filles, parce que toutes leurs filles sont vraiment entrées dans le monde. Que ce soit Jane, Elisabeth, Marie, Catherine, enfin Kitty ou Lydia. Lydia. Et
D'un côté, je trouve que c'est un peu triste pour Charlotte Lucas parce qu'elle va quand même se taper dans tous les sens du terme monsieur Collins qui n'est pas. Il ne vend pas du rêve, hein, disons. Mais c'est pas ce qu'elle veut. Charlotte Lucas, elle ne veut pas du rêve. Charlotte Lucas, elle veut une situation. Elle veut avoir une maison, avoir un foyer, faire des enfants. Et faire aussi la place pour la sœur suivante, pour qu'elle puisse entrer dans le monde et se marier également. Charlotte Lucas, elle n'a pas le choix. Et elle a le côté du coup pragmatique, je vais faire de la place. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont lu ou vu les chroniques de Bridgerton. Bon, on est sur de la romance historique, mais qui a été écrite très récemment. Je crois que c'est dans les années 90-2000, je ne sais plus exactement. Mais c'est très récent, alors que là, Jane Austen, elle écrit sur son époque. Mais c'est des époques similaires, hein. Je crois que c'est 1815 par là, hein. Et les filles Bridgerton, elles sont décrites comme étant des vieilles filles. Mais déjà, rien que la première, Daphné, qui est le premier bouquin des huit, Daphné est décrite comme une vieille fille, quasiment, parce que ça fait 3 ans qu'elle est entrée dans le monde et qu'elle n'a pas trouvé chaussure à son pied. Et elle a quoi? Elle a 20 ans. Elle a 20-21 ans. Charlotte Lucas, elle en a 27. Charlotte Lucas, elle approche de la date de péremption. Et une fille qui n'est pas mariée va être à la charge de son père, mais ensuite de ses frères. Parce que souvenez-vous, si vous avez regardé, si vous avez lu ou regardé Raison et Sensibilité, c'est le cas. À la mort de Monsieur Dashwood, le père des trois filles, c'est le frère aîné qui est issu d'un précédent mariage qui se retrouve déjà à hériter des biens et de la fortune, je mets des guillemets parce que c'est pas ils ne sont pas riches non plus les Dashwood, et il doit se prendre en charge en fait la seconde femme de son père parce que la première, sa maman est décédée, et ses trois demi-sœurs, dont deux qui sont en âge de marier et une qui est la plus jeune qui doit avoir 13-14 ans. Et ça se fait pas de gaieté de cœur. Et ça, c'est quelque chose que Jane Austen a vécu, ainsi que sa grande sœur ou petite sœur Cassandra. Les deux ne se sont pas mariés et se sont retrouvés à la charge d'un des frères. Et pas de gaieté de cœur. Ça fait longtemps en fait que je vous ai promis de faire des vidéos sur le côté biographique de Jane Austen. Il faut vraiment que je le fasse parce que, Jane Austen, elle écrit ce qu'elle vit aussi. Et Jane Austen, il me semble qu'elle avait refusé une ou deux demandes en mariage. Et il y avait plus ou moins une rumeur, mais disons que c'est pas... je crois que c'est plus une supposition qu'une certitude. Comme quoi, quand elle était plus jeune, elle a été amoureuse en fait de quelqu'un, mais qui n'avait pas de fortune, donc c'était pas un bon parti. Donc le côté raisonnable, la décision raisonnable à prendre, c'était ben non. Sauf que ce ben non là, ce refus là, si sa décision avait été autre, elle aurait peut-être vécu dans la pauvreté, elle aurait peut-être vécu avec un niveau de vie inférieur, elle aurait peut-être été heureuse, par contre. Et je ne suis pas persuadée que Jane Austen ait été très heureuse dans sa vie. On en reparlera dans une vidéo que je lui consacrerai. Il faut que je revoie les documentaires anglais qui lui étaient consacrés pour vous en causer. Donc, Monsieur Collins, qu'elle plaît, n'est-ce pas? J'adore comment... le Monsieur Bennett, je suis trop fan de ce mec. Parce que déjà, Elisabeth, elle arrive un petit peu en panique, genre, non, moi, je ne me marie pas avec l'autre con. La mère, elle insiste, mais en même temps, c'est son boulot aussi, c'est son boulot de maman. Les femmes n'ont d'avenir que dans le mariage. Et le mariage ne veut pas forcément dire amour. C'est surtout un contrat entre deux familles.
et un homme qui va prendre en charge financièrement une femme qui est considérée comme mineure sur le plan légal. C'était comme ça. C'était comme ça, malheureusement. Après, peut-être qu'il y en avait qui le vivaient très bien parce que c'était comme ça. C'était quelque chose qui était intériorisé, c'était comme ça, c'est tout. Il n'y avait pas d'autre choix à faire. Mais Monsieur Bennett, moi, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, Elisabeth lui ressemble énormément. Il a une façon d'envoyer chez les gens, parce que c'est ça, hein. Il a quand même envoyé promener Monsieur Collins. Non, non, mais ne revenez pas trop vite, hein. Vous avez des choses à faire, vous inquiétez pas. On va pas souffrir de votre absence. On sait que vous avez des responsabilités, que votre protectrice, elle ne va peut-être pas accepter que vous reveniez, etc. Dans sa tête, moi, ce que j'imagine surtout, c'est « Ah non, revenez pas, vous êtes trop con. » Et je pense qu'Elisabeth, elle doit faire un Mais j'aime beaucoup la famille Bennett parce qu'ils sont, ils ont tous une caractérisation qui est vraiment, vraiment personnelle en fait. Avec Jane qui se pose beaucoup de questions mais qui est très réservée. Elisabeth qui... Je pense qu'Elisabeth, elle a des idéaux en fait. Et Jane et Elisabeth, elles veulent faire un mariage d'amour aussi. Et Jane, elle est amoureuse de Bingley, de Charles Bingley. Et là, ces deux sœurs, là, les deux sœurs Bingley, donc Caroline. Caroline, il me semble que c'est la fille qui n'est... Oui, c'est Miss Bingley, c'est celle qui n'est pas mariée. Et Louisa Hurst, c'est celle qui est mariée et qui a une maison à Grosvenor Park Street, je ne sais plus. J'aime pas du tout les sœurs. Les deux sœurs de Monsieur Bingley, mais alors, je les trouve perfides. Elles sont pas gentilles. Je pense qu'elles s'amusent en fait à manipuler un petit peu tout le monde. Elles se rendent compte que Jane est un peu fragile, que c'est pas une femme qui s'impose. Et elles jouent en fait avec ses sentiments et je trouve ça méchant quoi. C'est dégueulasse. Surtout que Jane, elle est gentille. Enfin, pourquoi emmerder des gens qui sont gentils? Et j'aime beaucoup la relation qu'il y a entre Jane et Elisabeth. Ça me fait penser en quelque sorte à la relation qu'il y avait entre Elinor et Marianne dans Raison et Sensibilité, mais ce côté vraiment, les frangines qui sont comme ça, mais Elinor, elle avait plus le rôle de grande sœur, donc la sœur aînée qui est raisonnable, qui temporise sa petite sœur qui est plutôt emportée, qui est plutôt passionnée. Alors que là, on a presque une inversion des rôles entre Jane, qui est la sœur aînée, mais qui est réservée, puis là, qui doit être toute bouleversée aussi, la pauvre. Parce qu'en fait, ils se sont rien promis, hein, Bingley et Jane. Jane, elle attend sans doute quelque chose de Bingley, mais Bingley ne lui a rien promis. Et Bingley, il est jeune. Bingley, il me semble qu'il est... c'est un tout jeune, il a une petite vingtaine, hein. Ils doivent avoir un âge à peu près équivalent. Il me semble que Darcy, il doit être un peu plus âgé. Je suis pas sûre. Je sais pas si c'est précisé dans le livre, mais vu qu'il fait plus responsable, alors que Bingley, je pense qu'il se laisse porter. Il est jeune encore. C'est peut-être un manque de maturité ou c'est un gentil garçon aussi, hein, Bingley. Mais bref, donc on n'a pas eu Darcy parce que tout ce petit monde-là est parti à Londres. Elisabeth, elle est plus au fait, en fait. Je pense qu'elle a une plus grande compréhension des gens parce qu'elle envisage aussi le mauvais dans les gens. Alors que Jane, elle voit un peu tout le monde est bon pour Jane. Alors qu'Elisabeth, elle se rend compte que non, il y a des cons. Et elle le rappelle à sa sœur. Mais Madame Bennett aussi, qu'est-ce qu'elle me fait rire? Mais elle doit être épuisante. Une personne comme ça dans votre entourage sans rire, c'est comme quand vous avez la copine qui se fait larguer ou qui vous appelle pendant 3 heures parce qu'elle s'est pris une prune et qui se plaint quoi, quand vous l'avez au téléphone, vous faites « Oh non, putain, qu'est-ce qui lui est arrivé encore ?» Madame Bennett, c'est ça. Et je crois que c'était vraiment très à la mode aussi, entre guillemets, le côté maladie féminine, l'hystérie, les vapeurs, tout ça, parce que oui, évidemment... Les femmes, sexe faible,
Évidemment, elles ressentent tout ça. Parce que les pauvres, elles ne peuvent pas réfléchir. Alors qu'évidemment, les hommes, sexe fort, ils traversent pas tout ça. Ben non, voyons. C'était les débuts de la médecine et de la psychiatrie. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a dû avoir quelques articles et quelques livres de médecins ou de psychiatres, parce que c'était le Moyen-Âge de cette médecine-là qui démarrait. Et donc, c'est comme ça qu'on percevait les femmes. C'est triste, hein? Est-ce qu'on ne les perçoit pas un petit peu comme ça encore? Je suis sûre que vous avez des exemples. Mais bref, je suis vraiment très fan d'Orgueil et préjugés. Vraiment très fan. Et ben, c'est la troisième fois que je lis. Hein. On a eu Monsieur Wickham. Monsieur Wickham, qui confirme que, oh non, j'ai quand même préféré ne pas me rendre au bal, je ne sais plus où c'était exactement, à Netherfield, je ne sais plus, pour ne pas croiser Monsieur Darcy parce que ça aurait causé des problèmes. Ben, je pense que oui. Parce que, vu comment Elisabeth, elle est déjà rentrée dans l'art de Monsieur Darcy parce que, pour essayer d'avoir des explications sur sa responsabilité par rapport à Wickham, le fait que Monsieur Darcy ait un peu piétiné les dernières volontés de son père, donc de feu Monsieur Darcy, que Monsieur Wickham, il devait récupérer une cure, être ecclésiastique, etc. C'est pas clair, hein. C'est pas que... Enfin, si, c'est très clair. C'est très clair. Je me tais. Qu'est-ce que vous pensez de Monsieur Wickham? On n'a pas vu beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, et qu'est-ce que vous pensez de cette histoire entre Darcy et Wickham? Qu'est-ce que vous pensez du départ un peu précipité de Bingley et de ses sœurs à Londres? Et de la lettre de Caroline? Je me tais parce que je sais la suite. Donc, n'hésitez pas à me laisser des suppositions. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe, etc. N'hésitez pas à plaindre la pauvre Charlotte Lucas qui vient de se marier pour toute sa vie avec ce monsieur Collins, enfin qui va se marier rapidement en plus. Et je crois que les mariages précipités à l'époque, ça voulait dire un peu que les gens, ils avaient un peu couchouillé ensemble. Donc, c'était pas très bien vu. Mais là, vous comprenez, ils sont emportés par la ferveur de leurs sentiments. Ça me fait trop rire. Monsieur Collins, au secours. C'est un personnage que j'aime bien. Je trouve qu'il est drôle, il est bien écrit, mais c'est pas quelqu'un que j'ai envie d'avoir dans mon entourage non plus. Donc n'hésitez pas à me laisser vos théories. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer par la suite? Je vais regarder où est-ce qu'on en est. Donc... La semaine prochaine, je lirai le chapitre 23 et il y en a au total 61. Et en termes de pourcentage, on est à 34%. Donc, on n'est que à... On a un petit gros tiers parce que... un petit gros tiers. Parce qu'il y a les droits à la fin du bouquin. Donc, c'est... Oula. Je suis à 85 pages sur... Ouais, les 245-246. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Quelles sont vos théories pour la suite? Qui c'est qui va se marier avec qui? Parce qu'il va y avoir de la surprise. On verra. Et à tout bientôt. Rêvez tout grand. Et si vous avez des anecdotes sur des demandes en mariage, sur vos demandes en mariage par exemple, qu'elle soit positive ou catastrophique, n'hésitez pas, si vous le sentez évidemment, il n'y a aucune obligation, mais si vous le sentez, n'hésitez pas à laisser un petit message, un petit commentaire. Si vous voulez d'ailleurs, je vous raconterai comment j'ai demandé en mariage mon homme et comment, malgré cette magnifique bague, on n'est toujours pas mariés parce qu'un mariage, il faut l'organiser et hop, flemme. Et ça fait combien? Ça fait 12 ans que j'ai demandé en mariage. Bientôt 13. À tout bientôt. Passez un très bon dimanche. Rêvez tout grand. Salut !